I can break it down. A fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Krogan avaient engagé Twinelix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twinelix, souhaitant récupérer leur investissement. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humain ? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi. Et tu trouveras un ami. Content de vous avoir dans l'équipe, Vrex. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. À chaque fois que je suis en visite, le SSC me fait un petit discours de bienvenue. On dirait que c'est fermé. Fist sait qu'on arrive. Ils en viennent partout.
Stop ! On bouge plus ! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire ! C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, ouais, c'est vrai, bonne idée. Jamais pu blairer fils de toute façon. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Tuer n'est pas la réponse à tout. Je dirais que c'est fermé. Fist sait qu'on arrive. Prends des gars. Simples ouvriers. Reculez ou on tire. C'est le moment où jamais pu blairer.
l'emmène partout. Ils en viennent partout. Hold the line. Hold the line. Attendez, ne me tuez pas. Où est la carienne? Elle n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, je vous le jure. Il sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez. Je ne sais pas où est la carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne! Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de Saren qui l'attendront. Dis-moi où a lieu le rendez-vous, tout de suite. Juste ici, dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Qu'est-ce que vous faites ? Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. C'est moi qui commande ici. Si vous recommencez un truc comme ça... C'était le dernier contrat qui me restait. Et puis, on a des soucis plus pressants, non? La carienne risque de mourir si on ne s'active pas un peu. Je comprends pas que les gens se plaignent de la foule. Moi, on me laisse toujours passer. Position de tir. Avec vous? Où est le courtier de l'ombre? Où est Fist? Ils vont arriver. Où est la preuve? Non. Le marché est annulé.
m'a tendu une embuscade. J'aurais dû me méfier. Vous n'êtes pas blessé? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que Saren est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang? Mais pas ici. Trouvez un endroit sûr. Nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine. Votre ambassadeur voudra voir ça de toute façon. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Khoras. Vous savez combien de... Qui est-ce? Une carrienne? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard? Vous sauve la mise, ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre Saren et les Geth. Vraiment? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zora Naraya. Nous voyons peu de cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Geth. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Geth ne s'étaient jamais aventurés au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Geth jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Geth grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau? C'est mon peuple qui a créé les Geth. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée, mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Saren ne s'en sortira pas cette fois. Attendez. Saren n'était pas seul. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs? Une race extraterrestre inconnue, peut-être. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Geth. Ça m'a l'air... un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Les Geth, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur... Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ça ne va pas être facile à présenter. Il risque de ne pas en tenir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que Saren est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la carrienne? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour.
Excusez-moi, commandant Shepard. Commandant Shepard, je m'appelle Samesh Bhatia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me... Aucun problème. Que puis-je faire pour vous? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. Attendez, la 212e? Le quartier maître Nirali Bhatia? Je m'appelle Ashley Williams, j'étais artilleur dans son unité. Enchanté, artilleur Williams. Nirali avait beaucoup de respect pour vous. Mes condoléances, monsieur Bhatia. Nirali était quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer, mais l'armée a refusé. Je vais voir si je peux contacter quelqu'un à l'ambassade, histoire d'accélérer les choses. Le responsable de mon dossier s'appelle monsieur Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas. Merci, merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Vous êtes le commandant Shepard? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui. J'ai appris que vos services avaient refusé à un certain Samesh Bhatia de récupérer le corps de sa femme. Ah oui, monsieur Bhatia. Oui. Bon, je comprends parfaitement sa frustration et j'aimerais pouvoir l'aider. Monsieur Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Vous pensez que son corps est dangereux ou contaminé? Non, commandant. Nirali Bhatia ne représente aucun danger. Bien au contraire, son corps est extrêmement précieux pour l'Alliance. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des Geth. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Je comprends vos raisons, mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps. Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien vous. Je suis d'accord, mais pas au prix de notre humanité. C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagé. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à monsieur Bhatia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Commandant, vous avez du nouveau? J'ai rappelé à monsieur Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse, mais au moins je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant. Samesh, vous en faites ce que vous voulez, mais Nirali tenait beaucoup à vous. Elle passait son temps à me parler de votre cuisine. Et chaque soir dans sa couchette, elle écoutait votre voix. Je sais, mademoiselle Williams, merci. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça.
Alors, Garrus, vous regrettez d'avoir quitté le S... Si je regrette ? Elle est bonne, celle-là. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver des millions de vies, de se mesurer à un spectre et d'être au-dessus des lois. Exactement. Et puis je préfère faire le boulot moi-même, au moins je suis sûr qu'il sera bien fait. Je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard. J'ai vu le monument sur Akuzé. Ils ont toute une section sur vous là-bas. C'est dingue que vous ayez survécu à tout ça. On dirait que vous avez un fan. Désolé, mais je n'en reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Vous voulez quelque chose? Pourquoi vous avez rejoint le SSC? Ah, je sais pas trop... Ça me semblait être la meilleure chose à faire, vous voyez. Ça doit être de famille. Mon grand-père était flic sur... Et le SSC, c'est un peu la police de la citadelle, non? Je suis nouveau, mais jusque-là, ça me va. C'est beaucoup mieux que de rester sur Terre. On rencontre plein d'extraterrestres différents, genre les Anari. Cool. Et puis, mine de rien, représenter la loi, ça impose le respect. C'est un truc que tout le monde apprécie, même les extraterrestres. Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupé. Alors à plus, commandant. N'avez pas chômé, commandant. Personne ne va pleurer Fist, vous pouvez me croire. J'étais sûre qu'il était impliqué dans toutes les affaires louches du coin. Vous avez trouvé quelque chose d'exploitable dans son bureau? Jetez un œil à ces DSO, ça devrait vous plaire. Vous avez les dossiers de Fist? Alors ça risque de faire du bruit. Tenez, commandant, pour votre bonne volonté. Combien vous me donneriez pour ma future coopération? Pour une interview exclusive, une fois mon enquête terminée, par exemple? Vraiment? Vous me garantiriez l'exclusivité totale? Là, évidemment, je vais revoir ma compensation à la hausse. Tenez. Sur ce, je vous laisse. Je dois aller voir ce que contiennent ces disques. Vite! Oudina est en train de présenter l'épreuve de la Carienne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve? La voici. Effectivement, ambassadeur. Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Benezia. Yes.
Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéens et ils ont disparu. Les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera. Sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Chaque fois que l'humanité demande de l'aide, vous faites la sourde oreille. Shepard a raison. J'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie. Ambassadeur, il existe une autre solution. Un moyen d'empêcher sa reine de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilités. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver ? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Udina. La réunion du Conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard.
vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des Spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Je pensais que votre ambassadeur serait un peu plus reconnaissant. Il ne vous a même pas remercié. Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, je n'ai rien accompli. Venez. Je vous suis, commandant. Que je vous retrouve. Commandant Shepard en mission pour l'armée de l'Alliance. Premier passage sur la citadelle, c'est bien ça? Comment vous savez tout ça? Je suis l'officier d'approvisionnement du SSC. Je dois m'assurer que nos acheteurs ont les autorisations nécessaires. Alors, vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui, commandant Shepard? Montrez-moi ce que vous avez. Tout a l'air en ordre, je vous ouvre votre... Hein ? Il doit y avoir une erreur. Le système me dit de vous proposer notre stock spécial, Spectre. Ça alors ? J'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était vous. Désolé, commandant. Montrez-moi seulement ce que vous avez. Pour vous, commandant, je vais ouvrir les stocks de marchandises rares. Profitez-en.
Exogénie Corp dément toujours les rumeurs selon lesquelles l'une de leurs équipes de géologues aurait disparu dans le secteur Hades Gamma. Interrogés sur les raisons du silence radio de l'équipe de géologues, les représentants de la compagnie n'ont fait aucun commentaire. Grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus, vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. J'en prendrai grand soin, capitaine. Je sais, commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, capitaine? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis, je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le Conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Sa reine s'est envolée. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système féroce juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Rien d'autre? Nous avons encore une piste. La matriarche Benedia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéins. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni. Docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tau. Alors cap sur Artemis Tau. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur. Vous m'envoyez ravi, commandant. Et souvenez-vous, spectre certes, mais humain avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Comment ça va pour vous? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous... vous pouvez arrêter sa reine. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Dites-moi ce qui s'est passé entre sa reine et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la citadelle. Tout comme Oudina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le Conseil a envoyé sa reine pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. Pourquoi ne pas avoir été honnête? Parce que je n'en suis pas fier, voilà pourquoi. J'ai eu l'opportunité de devenir le premier spectre humain et j'ai échoué, à cause de sa reine. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des buts à rien. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait aux renseignements de l'Alliance. Mais le Conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Sa reine devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité.
Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes ? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leurs familles juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos. Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le Conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectres. Si c'est le cas, il a réussi son coup. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer ? Qui croyez-vous que le Conseil aurait écouté ? Moi ou son meilleur agent ? Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me... Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Nous le savons tous. C'era da aspettarselo. In passato non ci avevano mai aiutati e di sicuro non l'avrebbero fatto adesso. Ma non abbiamo bisogno di loro. Possiamo farcela da soli. Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la travée. Mais je peux vous promettre une chose. Rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. Cette mission, vous en êtes conscient, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie tout entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres.